안녕하십니까. 왜 줄 맛이 아니야? 팬케이크 아니야? 응, 아니라고? 브리오슈 맛? 왜? 문앞 문앞이지? 존나 별론데? 나 괜찮은데? 심심하잖아, 맛이. 응. 괜찮아? 언제까지 할 건데? 원래 그거 알아? 남자는 페로몬이라고 알아. 그 간장 남자가 좀 섹시해야겠지. 그 포즈가 바로 이거야. 남자? 자기 해봐. 자기 이거 해봐. 잠깐 이거 아니야. 이거 아니야. 여자 했을 땐 아니야. 근데 남자는 이게 다르다. 너 마시고 와. 구독자들한테 물어봐. Il fallait d'abord que je commande à boire. Du coup, je vais commander à boire. Oh, boxon à ice tea, là, tu sais. Transpire déjà alors que je rencontre des gens, je suis trop contente, mais ça me rend nerveuse, du coup je transpire. Je me suis assise avec un petit iced tea qu'ils nous ont offert. Ça va être trop bien. Il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas.
Professional pharmaceutical products that can provide desired results to patients based on science. You can look at the company slogan, it's caring skin, caring beauty. Thank you all for coming today. Welcome to the first Dr. Shroto Influence Brand Day. Introduce yourself, please. Ken, I'm Ken. I'm just Ken. Aww. Yeah. Next one. Next one. Yeah. Yeah. Présente-toi. Yes. Présente-toi. Bonjour. And they already know you, but yeah. The French passing. Yeah. Ah, right. No European though. It's for the light. Wow. It's so cute! Also, I love Americans who speak French. J'avais son practical en français. Oh! Désolé. Désolé. Yeah! We're back in kindergarten, two months late. Let's just put my name. That's a piece of art. Yeah? Yeah. I love pink. Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Bon. Vous vous doutez que si je vous pose, c'est parce qu'il faut que je vous montre des choses. Je reviens tout juste de mon event et du coup je voulais vous faire voir un petit peu plus et vous parler un petit peu plus de la marque et des produits. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de la Fashion Week, je vous le remets juste en haut, je crois que c'est ici. Not sure. Dans ce vlog à la fin je vous avais fait l'unboxing du coup des produits qu'on a reçus à l'avance donc de cette marque. Et en fait à l'event on a eu mais plein de cadeaux. Pour vous dire clairement, en fait, il y avait un stand avec les produits et clairement, vous pouviez prendre ce que vous vouliez. Sans rire, il y a des filles qui sont parties avec 4 sacs comme ça. Plein de produits. Elles prenaient les produits par 5, par 6. Enfin bref, ça n'avait aucun sens. Bon, moi j'ai fait quand même moins extravagant. J'ai juste pris ce qui me plaisait vraiment, genre ce qui me faisait envie, ce que j'avais envie de tester. Mais ça fait quand même pas mal, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors déjà, petit plan sur mes petites fleurs. Je suis trop contente d'avoir reçu des fleurs. J'ai eu au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits de la marque. Plus quelques cadeaux qui sont juste ici. J'ai eu 3 cadeaux différents. Non, 4, pardon, 5. Vous avez vu, donc déjà on a fait des petits jeux. Donc j'ai gagné des cranberries. J'adore les cranberries. Donc on va pas se plaindre. Ensuite je vous fais voir ce magnifique cupcake
que vous avez déjà vu, mais je crois que je vais jamais le manger en fait, hein. Clairement qu'on se le dise, il est beaucoup trop beau pour être mangé. Également donc on a pu customiser des petites pochettes de la marque aussi, donc voilà, au passage, ça fait toujours plaisir. On a eu nos petits sacs personnalisés, donc c'est des sacs tout, enfin basiques, non c'est pas vraiment basique, ils sont super jolis, mais on a eu le droit en fait à notre custom, voilà. C'est beaucoup trop mignon. On a du coup pu faire aussi des petits photobooths. Ils avaient mis un photobooth là-bas, genre... Donc ça c'était vraiment les cadeaux, entre guillemets, des petits jeux en fait qu'ils ont fait, vraiment de l'installation qu'ils avaient fait, de la préparation. Et sinon, j'ai eu moi personnellement des cadeaux comme ça, trois cadeaux à part, que j'ai gagné du fait que je suis arrivée très tôt. Ces deux petits cadeaux, ils les offraient aux 20 premières personnes qui sont arrivées. Donc j'ai eu le droit à ça. Une brosse et un serre-tête pour les cheveux, vous savez, quand vous lavez le visage, quand vous faites votre skincare. Et comme je suis arrivée, non pas dans les 20 premières, mais surtout la première, j'ai eu le droit à un petit cadeau supplémentaire. C'est, je crois, un masque pour les yeux pour dormir, genre qui a des fonctions un peu spéciales, genre on peut le brancher. Je sais pas trop exactement, il faut que je regarde, mais ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous ai pas mis dans la vidéo parce que, en fait, j'ai pas filmé, en fait, j'ai laissé tomber ma caméra, clairement. Mais je vous mets juste un petit extrait de ma réaction quand j'ai su que c'était moi qui avais gagné. Parce que, genre, au début, j'ai même pas écouté que c'était mon prénom, j'ai pas compris que c'était moi. Donc c'était très drôle. The first person to arrive. It was me. What? Oh my god. Bref, revenons-en du coup à nos moutons. Je vais vous montrer un petit peu les différents produits donc que j'ai reçus. Donc ceux que j'ai choisis personnellement pour pouvoir les tester, parce que clairement il y en avait vraiment une flopée et j'avais pas envie de repartir avec 25 produits, genre les mêmes ou des trucs que je n'utiliserai pas parce que ma peau n'en a pas besoin. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc comme je vous ai dit, il y a 9 produits différents qui sont pas forcément tous pour la peau. Et d'ailleurs je vais commencer avec ceux qui ne sont pas pour la peau, qui sont pour les cheveux. J'ai pris un set de shampoing et de conditionneur. Voici du coup le petit set. Les deux produits sont, comme la dernière fois, vegan, cruelty free, fait à base de matières recyclables, etc., etc. Enfin vraiment des produits très très chouettes. Et c'est une gamme qui est faite pour les cheveux abîmés, les damaged hair. Donc comment vous dire que sur ces longueurs j'en ai un petit peu besoin vu les colorations que je fais. Très très sympa, donc j'ai hâte de tester. Ensuite je passe à une autre gamme de produits, ces deux là qui sont juste ici. Il y a une crème solaire et... Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une essence ou un sérum ou quelque chose, voilà. C'est en tout cas un produit qui va permettre de enlever les impuretés de votre peau, de la cleaner un maximum. Il se présente du coup comme ceci, voilà. Et donc une crème solaire de la même gamme, juste ici. J'ai un petit peu peur, mais on va quand même la tester, parce qu'en fait cette crème solaire est faite à base d'acide hyaluronique, de différents acides hyaluroniques, puisque c'est une crème solaire hydratante. Et honnêtement, j'avais déjà essayé une crème solaire à base d'acide hyaluronique. Pas de cette marque là, d'une autre marque, et j'avais eu une réaction mais instantanée sur ma peau qui était devenue toute rouge. Mais j'ai envie de tester parce que cette marque est quand même vraiment très chouette, a des ingrédients très 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 clean en général. Après ça reste une crème solaire hein, donc c'est pas vraiment les produits les plus clean de la planète, mais voilà, j'avais quand même envie de tester cette crème, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite du coup, gamme suivante, juste ici, il y a un toner et encore une crème solaire. Je vais voir, on va la tester également, on verra ce que ça donne. C'est exactement le même format que l'autre. Et du coup, le deuxième produit qui est le toner avec un effet calmant, un effet hydratant, vraiment fait pour les peaux sensibles. Les trois derniers produits qui me restent, c'est trois crèmes donc de gammes différentes. Je vais commencer avec celui-ci puisque c'est la même gamme que les produits qu'on a reçus la dernière fois. Je vous remets une petite image à l'écran pour vous refaire voir un petit peu les produits qu'on avait reçus, comme ça voilà, vous savez de quoi on parle. On a reçu en cadeau du coup l'essence et la crème de cette gamme là, et là on a eu le droit du coup à la crème pour les yeux de la même gamme. Aujourd'hui le but c'était vraiment de présenter cette gamme puisque c'est leur nouvelle gamme. Voici le pot de crème pour les yeux et on a eu le droit à un petit ustensile pour appliquer la crème en dessous des yeux, ce qui est vraiment très très sympathique. Crème suivante qui est juste ici, donc c'est encore une autre gamme, une gamme orange, voilà, on va l'appeler la gamme orange. Celle-ci c'est moi qui l'ai choisie, j'avais vraiment hâte de la tester parce que c'est une crème qui a un effet sur la production de sébum, sur le balance de la peau. C'est un petit peu le seul problème que j'ai sur ma peau, donc j'ai très envie de la tester. Elle est comme ceci. Honnêtement c'est pas le packaging que je préfère, mais anyway, si la crème est bien ça fera le taf. Et du coup, dernier produit qui est juste ici, qui est
encore une autre gamme. C'est du coup un masque pour le visage. Je sais pas si vous allez voir la texture. C'est attrayant, ça me perturbe. Et l'odeur, c'est très bizarre. Genre, honnêtement, on dirait un peu une odeur de colle. Mais écoutez, je vais tester tous ces produits. Je vous en redirai des nouvelles d'ici quelques semaines ou quelques mois, je sais pas. Je vous tiendrai au courant sur Insta pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus et qui sont intéressés par la skincare coréenne et qui veulent savoir un petit peu quelles marques sont bien ou pas. Pour ceux que ça intéresse, du coup, n'oubliez pas de me suivre sur Insta. Moi, encore une fois, j'ai passé un très très bon event. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. I'ma make a better way.